Bonsoir et bienvenue sur L-Tapes. On est parti pour la suite de Slender The Arrival. J'ai encore une fois, j'ai tout donné dans cet accent anglais. J'espère que ça vous a fait kiffer. Moi, je vais te kiffer là. On est donc parti pour la deuxième partie de ce Slender, un jeu qui était sorti, je crois, en 2013 à la base, qui a été upgrade avec le moteur Unreal Engine 5. Avec en plus de ça, des petits ajouts. Apparemment, un niveau secret et un niveau supplémentaire qu'on va, je pense, découvrir. Je l'espère sur cette session. On va reprendre tout simplement l'aventure là où on l'avait laissé plus ou moins. On avait terminé la mine. Le chat, tiens, tant que t'es affiché le chat, n'hésite pas à me dire. On avait terminé la mine, mais on avait été plus loin ou pas? Parce que moi, quand je vais dans la sélection de chapitres, je sais pas. Au pire, on refait. Parce que là, j'ai ça, j'ai flashback là. Ah, mais attends. En fait, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il manque des trucs. Une mine? Je mettais une mine, je me souviens plus. Attends, parce que moi, je me rappelle. On venait pas de finir le flashback. Du coup, ce serait quoi, propriété familiale alors, la suite? Attends, je vais vérifier, je vais juste vérifier, parce que c'est un peu bordélique, je trouve, pour retrouver là où on s'était arrêté. Quand je clique sur commencer, ça repart au début du jeu, donc ça m'arrange pas. Vas-y, ça marche, Lucator, ça marche. The day is September 19th. Il faut refaire ça complètement. My name is CR, on site of the Matheson. Faut refaire ça, genre. Continuing my bon, après, on sait quoi faire, hein. On sait quoi faire, mais. Let's see what we can turn up. Mais il me semblait qu'on l'avait terminé, ça. C'est pas le flashback, c'est au final. On va revérifier. Attends, on va retourner 2 secondes au menu pour être sûr. Quand même, qu'on soit sûr de ce qu'on lance. On peut pas faire de conneries non plus. Ah non, un peu Gollum, hein. Oh, arrête. Ok, on va aller voir flashback du coup. Ouais, c'est ça, en fait le truc c'est que cette scène, on venait de la terminer donc... Je me dis, attends, soit le jeu il a pas mis de point de passage. Ou alors le chapitre était juste pas fini. Attends, je crois... Et là on va sortir à l'extérieur, ouais c'est ça. Non, bon, allez, c'est pas grave. Vous savez quoi? On sait quoi faire. DJ, t'as laissé le chat. Oui, c'est normal. Je viens d'expliquer que je le laisse pour l'instant le temps qu'on trouve notre chemin. Donc là, on vient de trouver notre chemin. On va refaire le chapitre flashback, du coup. Vu qu'on sait quoi faire, ça va être très rapide. Vous en faites pas. Hop. Et du coup, effectivement, je fais disparaître le chat. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée horreur sur L-Tapes, mesdames et messieurs. Allez, on va essayer de... On va juste rusher la première partie, ok? The date is September 19th. My name is CR, on site of the Matheson family farm. C'est chaud de s'appeler CR quand même, hein. Moi je m'appelle ABC. Let's see what we can turn up. Ok. Attends, je sais plus s'il y avait un truc à prendre dans la maison tout de suite. Oui, non, dans tous les cas, il fallait récupérer le... Bonjour CR. Bonjour ABC. Ah, il fallait récupérer le bidon, bidon d'essence, je sais pas quoi là. Ah oui, c'est vrai. Ok, on va pas relire les textes, ça vous dérange pas? On les avait déjà lus sur la première session, on va pas s'emmerder à tout refaire en double. Ah putain, ah, tu marquais un point, Serifel. C'est vrai que moi, c'est DJ. Hein. Voilà. Ah putain. Ok, donc là... Ah mon dieu, j'ai besoin d'un jerrycan d'essence. D'accord, on y va. Là, vous allez vous dire, oh ça va, ton jeu il a pas l'air trop flippant, il fait jour, il fait bon vivre, on dirait le printemps. Ouais, le printemps, ouais. Tiens, le printemps, il c'est ici aussi. Et là, vous allez dire, ouais, bah ok, ça va. Salut, Roll. C'est quoi le but du jeu? Autre qu'avoir des soucis de propreté de slip. c'est une histoire. En gros, c'est une histoire d'une disparition de. J'ai oublié son nom. C'est la campagne. Ah, ouais, ça, c'est le genre de campagne, mec. Ici, les araignées, tu peux monter dessus, faire du cheval avec. Tellement elles sont wouh, avec le lasso et tout, wouhou, comme ça, tu vois. Putain,
Je le savais, mais ça m'a quand même fait peur. Ta mère. Mochi dessus. Non mais arrête, dégagne. Attends, je sais plus où aller. Non. Le cuir est marqué. Ok, on a le jerrycan. Alors un jerrycan n'a rien à voir avec quelqu'un qui dit qu'il est en train de se barrer. Non, parce que... Oh putain, j'avais oublié ça aussi. Alors, on va sortir par l'autre zone. Ok, on a les jerrycan et des sans. Ok. Oh, je sais, c'est du rush ce que je suis en train de faire. C'est vraiment pour histoire de se remettre dans le bain de là où on s'était arrêté. Non, c'est pas oppressant. Non. Ah oui, parce que t'es obligé de refaire, c'est ça. Alors, le son est peut-être très fort. N'hésitez pas si c'est vraiment trop fort. Vous me le dites, je réduirai. C'est vraiment histoire que ça vous prenne un peu au trip comme moi, tu vois. Parce que moi, c'est très fort dans mon écouteur. Tristesse, c'est rien, c'est pas grave. Ça va vite, c'est vite fait. Non, y'a pas du tout quelqu'un qui te court dans le champ. Non. C'est les herbes, elles bougent bizarrement pile poil comme si quelqu'un me suivait. C'est fou des fois le hasard. Grave extra le son, je veux chier mou moi. Salut Bistambou. Il est où le grand monsieur? Ah bah il va arriver après, t'inquiète. Ok, donc ça, ah oui non je crois qu'on peut. Ah si on peut la prendre. Ok, je sais qu'il y a une clé de merde là qu'on avait pas vu la première fois. C'est pas méchant. Non, mais t'inquiète, mais je sais que c'est pas méchant, t'inquiète. Attends. Et elle y est pas cette fois. Attends. Donc cette fois la clé n'y est pas. Merde. Mais attends, j'ai pris la clé de quoi alors? Ah non. Comment ça j'ai un hein. La clé du portail. Les bouchers. Vous êtes pas en train de me raconter que je viens de trouver la clé qui était par terre à côté de la maison là par hasard? Parce que là elle était dans le cabanon. Ça veut dire quoi? Que la semaine dernière il y a eu un bug? Vendredi je veux dire. Attends, non. Donc il y a genre eu un bug, la clé elle s'est retrouvée ailleurs. Ou alors c'est de l'aléatoire. Ou alors effectivement t'as des éléments qui changent de place. J'aime pas ça moi. Oh les tam-tam ça suffit. Ok, on l'a rushé en 2 secondes la scène. C'est un délico miniature. Putain elle tourne pas vite l'hélice. Ah mais oui, c'est vrai. Thank you.
je suis un connard. Ah mais ça va, t'es mauvais en fait, Jackie. Ah, j'ai des frissons, ta mère. J'ai des frissons de ouf. On avait... Ouais, si, on avait lu ça, on avait... Enfin, je crois. Il me semble. Non, on avait lu tout ça. Ah, quoique, j'ai un doute, en vrai. J'ai un doute, le chat. Tu te rappelles si on avait lu ça? Je me rappelle plus. Ouais, si, attends, la trope... Oh, vas-y, on va partir du principe que si. Tout ça, on l'avait fait. Ouais, c'est bon. J'ai des frissons un peu. Et pourtant, je connais, bordel. Le pire, c'est que je connais le jeu, mais j'ai quand même des frissons, quoi. Enfin, je connais le jeu. J'ai connu le jeu, fut un temps. Fut un temps jadis. C'est stressant, ouais. And now you scream your high. Ok, et à la base, c'est ça. Là, on reprend là où on s'était arrêté. Donc là, on a terminé la cassette. La cassette, il y en a une autre. On va voir ce qu'elle donne. Attends, j'ai plus le souvenir exactement de la scène d'après. J'ai fait Alien Isolation une dizaine de fois et à chaque fois, j'ai peur quand même. Et il est trop bien en même temps, Darkspawn. Il est beaucoup trop bien, Alien Isolation. Que les moyens de 20 ans de ne pas connaître. Ferme toutes les fenêtres et portes, ah oui, c'est vrai. Oh, oh, la bonne ambiance. Tu la sens, la bonne ambiance? La shripou? Oui, la shripou. Ok, ça a l'air fonctionné, sauf que je... Vu que j'ai pas save avec le jeu fini, j'ai juste un message. Ah ouais? Putain, j'ai eu peur de ça, là. Oh, oh, je me sens pas supra bien. Qui joue du piano? C'est Slenderman, Slenderman. Il a deux bras avec lesquels il met une droite. Merci pour le sub. Saleté Boubouche, tu me fais toujours aussi rire. Continue comme K. Yo, Shura, comment ça va? Shura, c'est marrant d'ailleurs ça. Parce que j'imagine un rat en forme de chou. Merci beaucoup, en tout cas c'est très gentil. Il était juste là. Je sais pas si vous l'avez vu. Et pourquoi pas un chou en forme de rat? La question est légitime. Y'a une sale ambiance un peu là, hein. Re, monsieur Snee. Je me cache sous le lead, hein. Merci pour ça. Je me sens mieux maintenant que j'ai retrouvé le signe de te soutenir. Je me rappelais pas de ça. Wouh, dis donc, ce sont des frissons, ça je reconnais. Bonjour. Je vais te donner un petit don, toi. Oula, oula, quand même. Merci beaucoup, Zeddikar. Merci pour les 3 mois. Tu régales.
Les bouchers, ils pourraient voir un maximum de yéyé pour monsieur Zendikar Quarantanov. Quarantanov, hein. Des mauvais schizos. Oh, comment ça t'aute. Non, mais en vrai, Slender, il fait peur juste parce que t'as pas un gros peupon chargé à la chevrolet. On est totalement d'accord. Avec un peupon, c'est moi qui cours après, hein, je te le dis. Hein. Ah ouais, c'est moi qui lui cours après. Un fusil de pompe, pardon. Un fusil de pompe. Oh, je crois que je me suis fait dessus. Ah, faut changer de calbut. En fait, c'est intéressant parce que c'est ce que j'expliquais sur la première session qu'on a fait sur ce pas ce remaster. C'est ni un remake ni un remaster, mais c'est un upgrade, quoi. C'est qu'on est sur l'Unreal Engine 5, mais avec des textures de 2013, regarde. Tu vois que c'est de la vieille texture, ça, tu vois. Elle bave un peu dégueulée et tout, tu vois. Oui, un peu dégueulée, ouais. Je sais pas où je vais, attends. Not this way. Les Sims à l'ancienne. Attends, je sais même plus si c'est par là. Alors non. Monsieur, c'était pas par là, vous en venez. Oui. Texture prédigérée. Du pâté de texture. On descend là, non? Je pense, oui. Alors, pas du tout. Là, il y a littéralement ce qu'on leur appelle un mur invisible. Oui, un invisible, oui. On peut pas aller là. Non. Bon, j'ai encore raté un truc évident à l'écran, c'est ça? Ça me dit pas quoi, les gens là, ou... Non. Et tu vois, c'est là où souvent je me retrouve en mode con. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai encore pas vu? C'est, faut pas aller par là, si? Non, bah non, mur invisible ici. Je suis bluffé par la capacité du personnage à monter une pente si vite et sans s'essouffler au bout de 10 mètres. Complètement. Ah non, mais c'est fascinant. Bah écoute, on va re-suivre le chemin. Eh ben le chemin s'arrête littéralement là, en fait. Ah, mais non! Je te baie. Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Une grotte. 13. Retrouve-moi dans la rue dans une heure. Je t'ai laissé une liste de choses à emporter avec toi. Ne prends rien d'autre. Je t'expliquerai tout dès que je te verrai. Je sais comment tout réparer. Ne parle pas de moi, Lorraine. Lorraine ! Bah oui, il veut faire des conneries ! Ah, pardon, fallait pas le dire. Il est où le vitril ? Un jour, mon ancêtre Gurdil... Je suis désolé pour tout. Ce n'est pas de ta faute, c'est la mienne. Quand tu liras ce message, ce sera déjà trop tard pour toi. Ne le laisse pas prendre d'autres vies. Tout est de ma faute. Tu peux tout arrêter, je l'ai laissé rentrer. Pourquoi je l'ai laissé venir? Pardon de te faire porter ce fardeau, j'aimerais que ce soit mon problème. Il faut que ça s'arrête. Je t'en prie, tu dois arrêter tout ça. J'aimerais qu'il y ait un autre moyen. Il faut que ça s'arrête. Que Dieu me pardonne. Arrêtez avec Dieu, hein. Oh, vous nous les brisez avec votre Dieu, hein. Yo, la Clément. Ah, ok, d'accord, Lucata. Ça brûle un peu les doigts de pied. Salut Rouge. Bon allez, normalement t'as une lueur rouge, ouais c'est ça. Ça m'a littéralement cuit les boules.
C'est une séquence que j'ai souvent pas compris. Tu peux mourir comme ça dans cette séquence de souvenirs. Bon. Bon, visiblement, ça va. Ça va. Non ! Je voulais quand même ouvrir. Je suis sympa. Pourquoi cette salle ? Ah, c'est le pizza de YOLO ! Ouvrez ! Ah, il y a une note que j'avais pas vue là. Ah ouais, non mais ça va. C'est juste un rappel de... On va dire de sécurité en quelque sorte. Ok, c'est des salles purement de... d'habillage, je pense. Cette porte nécessite une clé. Ah. Je te laisserai regarder mon avis sur la fin de ma dernière session à Claire. On est en train d'enregistrer une vidéo là. Je t'avoue que ce serait bien qu'on reste focus sur le jeu si possible. Non, t'inquiète, à Claire, y'a pas de soucis, t'inquiète. Trouver les clés alors. C'est angoissant. Oh putain ta mère. Oh le jumpscare, il m'a pris tranquillou. Il est arrivé, il m'a caressé le cul, il m'a dit hop tiens prends cette petite fessée. Tiens réveille-toi, tu vois. Ah, c'est horrible ce genre de truc. Ouh, un petit frisson là, ouh. C'est glauque un petit peu, hein. Comment t'expliquer que l'ambiance elle est pas... voilà. J'avais niqué le jeu, je crois, la première fois. Pardon, pardon, Oh. Il me semble que la première fois j'avais niqué le jeu, j'avais réussi à monter. C'est toi qui me chope, je crois. Kate, c'est si passionnant, tu ne trouves pas? Tout ce mystère entre l'enfant disparu, les hallucinations et l'incendie. Je suis heureux de pouvoir partager cette aventure avec toi. Je suis quand même triste pour Monsieur Matheson. Il a tant perdu. J'aurais aimé qu'il me laisse l'aider comme toi tu m'aides. Peut-être que j'aurais pu le sauver. Mais puisque je n'ai rien pu faire de son vivant, je pourrais peut-être faire quelque chose pour lui maintenant. Je jure que je découvrirai ce qui est arrivé à son fils. Peut-être que cela permettra à son âme de se reposer en paix. Encore merci, Kate. J'ai hâte de partager tout ça avec toi. Je vais me faire des crêpes sapristi. T'inquiète, c'est pas plus de batterie. Oui, non, mais c'est scénarisé ça, là, Clément. C'est scénarisé. T'inquiète, c'est pas une vraie batterie. En gros, plus t'avances dans le jeu, plus la batterie est faible.
me rappelle plus exactement de quoi faire là. Ah, c'est pas quand t'as la liberté tard, tu vas venir entendre. Donc c'est bien ce que je disais. J'avais niqué le jeu, comme la première fois. Alors ? Va de sa tête. J'ai la tête qui vire mal. Attends. Non, pardon, j'arrête. Il y a un gars qui vient souvent chez moi pour me poser des questions sur mon fils. Et je lui dis à chaque fois de partir, il devient de plus en plus insistant. Je le vois encore, je le cherche toujours. Mais ça ne peut pas être lui, je le sais, mais ça a l'air si réel. Où que j'aille, j'entends sa voix. Mais j'ai l'impression qu'il souffre, comme si ce n'était pas le fils que j'ai connu. Je ne peux pas échapper à cette torture, cet homme, cette chose. Il me nargue, il me ronge l'esprit. Est-ce que je m'inflige tout ça tout seul? Est-ce que c'est de ma faute si Charlie a disparu? Est-ce que c'est mon jugement ou mon châtiment? Je dois en finir, je dois purifier cet endroit. En fait... Ah, cool. Vous vous rappelez d'un jeu qui s'appelle Amanda the Adventurer? Vous vous rappelez les soirées incroyables qu'on a passées sur ce jeu ou pas? Est-ce que vous vous rappelez de cette petite perle de l'horreur? Ouais? Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer... Oui, même pendant cette vidéo YouTube... J'ai le plaisir immense de vous annoncer que le 2 a été annoncé. Oui, mesdames et messieurs, Amanda The Adventurer 2 a été annoncé. Eh oui, mesdames et messieurs, eh oui. Une perle de l'horreur, j'en ai fait une ce matin. Par contre, t'as hâte de chialer, en fait. Tu devrais être contente que le 2 y sorte. En gros, pour ceux qui ne se rappellent pas, un jeu où on est enfermé dans un grenier et on doit mettre des cassettes vidéo avec une certaine Amanda qui fait un petit peu penser à Dora l'exploratrice là, mais qui était très creepy, très bizarre. Voilà, bah le 2 a été annoncé les copains. Vu les soirées de dingue qu'on a passé sur le 1. Merci pour le sub. Merci beaucoup Natas. Merci pour ton 13e mois, c'est très gentil. Allez, on se replonge dans le jeu, allez, let's go. Soutien à pelote, ouais. Ouah, je dois faire quoi là? Je dois y aller, non? On y va, la boucherie, non? Ah! On dirait tellement la witch, grave, la Clément! Ah, c'était donc normal. Ok. Enfin... En supposant que ça est quelque chose de normal. Première règle du film horreur, allez-y, là où il y a du son, et seul si possible. Allez, c'est vrai qu'il terminait comme ça, mais attendez, c'est pas terminé, on a un chapitre à faire. On va faire le chapitre bonus qui apparemment est franchement flippant, de ce que j'ai cru lire, de ce qu'il avait fait. Donc vous en faites pas, c'est pas réellement terminé, restez bien parmi nous. Et on va faire le fameux chapitre qui a été ajouté avec l'upgrade que le jeu a fait. Oui, oui, c'est bien. Ah voilà, New Level Genesis Unlock in Chapter Select Menu. Oh, thank you, my friend. Ok, Genèse, c'est celui-là? Il y a un chapitre au middle, là. Ah oui, bien sûr, Goldorak, que c'est prévu. L'apparition, si on l'a vu. Attends, Genèse. Ah, trop bien, Lucator, si t'arrives à nous sortir le level secret. Genève, c'est pas un lac, non, c'est le lac de Genève que tu confonds, je crois. Ok, regardez ça, on l'a pas fait ça. Moi, ça, je connais pas, ça me dit rien.
Attends, c'est quoi? C'est une chasse aux pages dans une autre map ou comment c'est? Non. Est-ce que j'ai pas d'objectif indiqué, j'ai rien pour l'instant. Il y a un intérieur là. Wouah, c'est Rick Rack, hein. Oh là 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 là, faut pas être claustrophobe ici, hein. Oh, il y a une page là. Non. Genre, c'est une chasse aux pages, t'es sérieux là? Oh, oh putain. Voilà, voilà. Doucement quand même. Je me suis chié dessus en 2 secondes. Oh, le retour au centre. Ouais, ouais, de ouf. Il était tout de suite là. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé l'intervention du monsieur au grand bras. Mais monsieur, si vous avez des grands bras et de grandes mains, avez-vous une grande bite? Mais quoi? Mais faut demander un moment. C'est normal de demander, non? Vous demandez pas aux gens dans la rue, bonjour, avez-vous une grande bite? Non, même pas. Bon, bah y'a que moi alors. Alors là, par contre, c'est un peu la merdasse. Ah putain, il est là-bas. Il est grand, le Slenderman. Quand même, y'a pas à dire, il est grand, hein. Par contre, les pages... Ah, y'en a une là. Allez, allez. À la prochaine page, ça va monter crescendo, hein, je vous rappelle. L'ambiance va être un peu plus flippante et il va être un peu plus agressif. Oh, l'ambiance, elle est terrifiante en vrai. C'est vrai qu'il a, il a été bon, le mec qui a composé ce son là. Ce son d'horreur. Number 4. J'ai pas où l'aider, mais il y aidait. Archumouk. Ça pue, je le sens pas. Alors, si ça pue, vérifie ce qui, si t'aurais pas chargé le caleçon. Non, c'est important, t'as peut-être chargé le calbut sans t'en rendre compte. On appelle ça un caca fantôme. On va arrêter sprinter un peu. On va laisser remonter la stamina un peu. Ok, il y a une page là. Attention, l'ambiance. Putain. Salut Hellfest. Putain, il est là, il est là. Ça sent pas bon cette affaire, hein. Donc je pense qu'il doit y avoir une page qui traîne à l'intérieur de cette zone. Désolé, je dois bouger la caméra un peu vite parfois. Mais on va dire que c'est une question de vie ou de mort. Putain, me dis pas qu'ils l'ont calé entre les... Entre les conteneurs, là, je sais même pas comment t'appelles ça. Oh putain. Des citernes, merci. Bon, je le savais, hein. Je le savais, hein. C'était pour voir. Pour voir un truc. Moi je l'avais fouillé ça. On va aller dans l'autre sens, je sais pas, au Beedle là comme ça. Avec un peu de chance on va peut-être trouver ce qu'il nous faut. Monsieur Slender, can you stop it please? Can you just stop it? Now! Putain, je suis en train de tourner en rond là. Je suis level 195. Ah bah profite, profite, bientôt tu vas être reset. Oui, parce que je rappelle que tous les levels vont être reset sur la chaîne. Ah putain mec, je sais pas où je dois aller.
complètement, Jojo. À l'époque, les premiers du premier 8 pages, on y jouait en chiant dessus avec un pote très sensible au jeu. C'était pareil. Nous, c'était littéralement des soirées Slender qu'on se faisait. Et on parle du Slender gratos, hein. On faisait des soirées, on ramenait des potes. Et à tour de rôle, on devait jouer et essayer de faire les 8 pages. Bah ouais, ça me paraît bizarre aussi, type Castlicoy qui en est pas. Vas-y, j'y retourne, hein. Mec, j'y retourne. Je suis sûr que c'est mes yeux, hein. Je suis sûr que c'est mes putains de yeux, là, ils vieillissent. Et ils voient plus bien comme avant. Non, mais vas-y, mec, c'est pas possible. Perso, si je suis dev, j'en fouille d'ici obligé. Bah ouais, mais complètement. Complètement. Non, mais mec, c'est pas possible. Le problème, c'est que ça me fait perdre tout mon temps. Ah, je sais pas où il est, mais il était pas loin. Et là, il se rapproche, en fait, hein. Là, il est littéralement en train de s'approcher de moi, hein, ce con. Vas-y, tu veux que je me casse. C'est un coup, les cailloux, là, c'est un point d'intérêt, hein. Elle marche encore, la technique. C'est une technique qui est marrante. En gros, s'il y a un arbre entre toi et lui, c'est comme s'il ne voyait pas. Il y avait une feuille. Quoi? Non, sérieux, je l'ai pas vu. Oh putain. C'est donc un point d'intérêt. Ok, bien vu, bien vu, bien vu. Ok, elles sont pas forcément à hauteur du regard, elles peuvent être en contrebas, t'as vu? Did you see that? Did you see that? Oh, ça on l'a pas vu ça. Il est où, Loulou? Évidemment, il est pas là. Oh, il est là, de ouf. Ouah, ça pue, ça pue, ça pue, les gars. Ça pue, colocu, je sais pas où la dernière, hein. Ah putain, elle m'a fait peur. Putain mec, il faudrait qu'elle soit là, ce serait... Elle y est pas. Oh. Oh. Ah. Et oh, le nouveau son de Mano. Wouh. Non, non, pas là-dedans. Non, 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 non. Dans la vallée en haut de Nana. J'ai cru entendre les échos. Des chants de guerre près des tombeaux. J'arrête, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, j'arrête, ah oui.
C'est absolument horrible de pas trouver la dernière page là. Putain, fais chier, où est-ce qu'elle est? Bon, on l'a déjà fait l'arbre. On a déjà fait la circonférence par l'intérieur comme ça. Par l'extérieur, excuse-moi. Ouais, donc pour moi, c'est en middle. Hein. Ok, il est là. Pour moi, ça doit être en middle. Me dis pas qu'il peut y avoir deux pages là-dedans. Mais moi, ça me surprendrait pas qu'il... Je réessaye. Attends. T'es un fou. C'est le niveau débloqué avec la fin du jeu. T'es sûr que je vais y arriver, hein. Je te le dis tout de suite. Ah, je te le dis tout de suite. Le chat. Give me the power. Can you give me the power? Allez. On part par la gauche. Et on croise les WAD. Oui, les WAD. Ah, alors attends, limite, j'allais dire limite, ça m'arrange qu'il n'y ait pas de page sur l'arbre. Je vais peut-être pas la dire trop souvent cette phrase, non. Tu croises les WAD, Morshiva, croise les WAD. On parle comme des jeunes hommes et des jeunes filles. Ok, première page. Ouais, c'est random, ouais. Tout de suite ça, non? Ouais, les citernes en premier, je pense, ouais. Bah, l'intérieur en premier même. J'aime bien aller à l'intérieur en premier. Ouh, qu'est-ce qui nous arrive? Rien pour l'instant. Faut pas se tromper d'entrée, sinon on est coincé. Oh, il y en a une là. Oh, mec, c'est un coup, elle était là, ma dernière page, tout à l'heure. Mec, c'est un coup, c'était ça. Ok, les citernes. C'est pas possible. Faut que j'ai une idée de où elles peuvent être au niveau des citernes, tu vois. Pour savoir où poser les yeux tout de suite. Elles sont pas si ternes que ça. Ça paraît très bizarre, ça ferait quand même deux pages hyper proches, non? Celle dans le bâtiment là et une page ici, je sais pas, ça me paraît un peu bizarre moi. Non mais c'est une vanne hein. Mais y'a rien, y'a rien. Y'a zéro, y'a pas de page putain. Et c'est un coup, on va apprendre qu'on marche dessus depuis tout à l'heure. Bon, le rocher du coup. Au sol. Eh, je commence à me demander hein. Ok, on a la page qu'elle a, elle est au même endroit elle. On devait tourner que sur la gauche à la base hein. Bon bah on part à droite. En fait Slender t'es énervé à cause de nos blagues, c'est ça. Oh, on l'avait pas vu ça tout à l'heure. Putain, il y a une page évidemment en plus. Ce point d'intérêt, on l'a pas eu tout à l'heure. Enfin, je l'ai pas vu en tout cas. Ok, un autre point d'intérêt ici. Ok, let's go, allez. Allez, trois pages les gars, trois pages. Enfin, je dis les gars, les filles et tout hein. Moi je parle à tout le monde hein. Ah ouais, clairement elle y était pas parce que là elle était évidente. Ok, plus que deux. C'est maintenant qu'on va plus y arriver hein, je te laisse imaginer.
Pardon, pardon, j'aurais pas dû faire ça. Je l'ai provoqué, et c'est un coup, il a pas aimé. C'est un coup, il est vexé, là. Oh! Ah! Putain de merde, il m'a fait trop peur! Non mais vas-y, merde! Merci pour le follow, Chago! Bienvenue, monsieur Chago! C'est le truc avec le camion, non? Ouais, c'est ça. Il devient très agressif quand même, hein, à la sixième, là. Faut que j'y retourne. Faut que je retourne là-bas. Ce camion là il m'emmerde, j'ai envie de croire qu'il y a une page ici, tu vois. Merci à ceux qui follow, soyez les bienvenus, merci de votre soutien. Très apprécié, hein, je vous laisse imaginer. Septième page les gens, septième page, j'ai bien fait de retourner. 75 mois, Vidox. Encore un mois de plus vers les 100. Toujours un plaisir de te souvenir, hâte de voir tout ce que tu prépares. Merci Vidox, merci beaucoup. Merci pour ce message et merci pour ces 75 mois de sub, mec. Énorme, 75. Mais attends. Ah non, c'est les mêmes chiottes, hein. Bon, regardez par terre, hein. Je focus trop sur ces merdes de citernes, bordel. Ok, les cailloux là, on va aller à droite. Il me semble qu'on n'a pas été dans ce sens là du coup. Ok, il est là-bas. Oh putain! Putain, je me fais troller là un peu. Il m'empêche d'y aller. Hein. Il m'empêche d'y aller, bordel. Hein. Ton réflexe, on essaye, malgré mon grand âge. Oh, elle est trop dure cette map, j'arrive vraiment pas à me repérer au bout d'un moment, quoi. D'abord, j'ai gagné. Comment elle finit, celle-là? J'ai des projets pour toi, Kate. Ok. Ok, ok. Grand âge, on est tous vieux ici. Ça, c'est vrai, ça. Je peux pas nier, monsieur. Monsieur, vous avez peut-être pas tort. Ok, sélection de chapitre. Ok, j'ai toujours pas le middle. Ok, maintenant ce qu'on va faire, on va faire le fameux chapitre étendu, l'espoir nocturne. Donc c'est un chapitre qui a été ajouté normalement avec cette mise à jour. Donc là, ça va être la découverte potentielle de quelque chose de flippant, mesdames et messieurs. Bon, en soi, moi perso, ça va, la flip elle est là. Ok, il y a carrément une cinématique. Et... merci. Merci pour les GG au fait par rapport à la game que j'ai gagnée là. Ouais. Ok. Formulaire d'admission d'un patient. Ok, évaluation de la santé mentale. Le patient présente des symptômes pénibles tels que de la paranoïa, des cauchemars récurrents, des hallucinations et des trous de mémoire inexpliqués. Les symptômes ont progressivement empiré. La famille du patient a des antécédents de problèmes de santé mentale, dont la gravité est inconnue. La gravité, c'est la même pour tout le monde. Hein. Quand tu jettes un truc qui tombe, que tu jettes une plume ou que tu jettes du caillou, le caillou et la plume est tout même pareil. La seule différence, c'est que l'air va porter un peu la plume. Rien à voir. D'accord. Bah, il y a des choses à fouiller. Allô, cette porte nécessite une clé. Trouvons la clé, du coup, je présume.
Alors, on va fouiller chaque recoin. Là, ah, peut-être ici, non? Non. J'ai rien capté. Allez, là. Mon Dieu! Un distributeur qui n'est pas le même que dans d'autres jeux? Attends. Oh! On va le garder en tête, celui-là. Garder en tête, Premium Coffee Hot Drinks. Avec des petits grains et une tasse en bas. Quand même un doute, j'ai quand même un doute. Je pense qu'on va le retrouver dans d'autres jeux, ce petit distributeur. Je fouille un peu tout. Je t'avoue que je sais pas à quoi m'attendre au niveau horreur. Puisque là, c'est une totale découverte pour moi. Et j'espère, je l'espère en tout cas, pour vous aussi. Bam, 19 points. Merci, monsieur Gredu. Merci, merci pour ça. Salut, Narcisse. Rapport toxicologique d'une substance non identifiée, noire et fibreuse, a été détecté dans le sang de la patiente. Nous devrons en envoyer plusieurs échantillons à un laboratoire externe pour une analyse poussée. Ah, merci pour le partage, du coup. Merci, Gredu. Les bouchers. Can I see the Gigi? On peut pas lire ces choses. T'es rentré dans les toilettes des dames, tu n'as même pas eu un achievement. Il paraît que les chiottes des filles, ils sont encore plus dégueulasses que les chiottes des mecs. Mais j'ai du mal à le croire. Yo, masque de bord. Moi, j'y crois pas. Je pars du principe que les filles... faites attention à vous et tout, tu vois. Ouais, carrément, Jean Roquefort. Pour l'ambiance, ouais, complètement. Il y a une bonne ambiance oppressante. Important à tous les employés, nous enquêtons actuellement sur des signalements d'activités suspectes dans le sous-sol. Soyez assurés que nous accordons une attention toute particulière à la sécurité et au bien-être des patients et du personnel. Veuillez ne pas vous rendre au sous-sol, sauf en cas de nécessité absolue. Je disais bien que j'avais entendu quelque chose. Confirme DJ, il suffit de voir les WC en festival. Ouais, bah perso, moi en festival, quand je vais au Hellfest, je vois des meufs qui viennent pisser dans les pissotières debout des mecs. Donc ça, moi, à un moment donné, au Hellfest, je cherche plus. Hein. Oh bon, je cherche plus. Hein. C'est ce que mon frère, il me disait. Ils pissaient, c'est normal. Ils avaient le chip dans la main, c'est. Hop, il pisse debout, tourne sa tête comme ça, et puis là, t'as une sorte de bimbo, pareil, debout à côté de lui en train de pisser. Ah, ah, ça lui a coupé l'envie. Il est parti. Bon, bah écoute. Il s'est dit, oulala, bientôt je vais regarder, elle en aura une plus grosse que moi. Alors attends, nous on est rentrés. Ouais. C'est plus parce que trop de temps d'attente dans... Non, non, pas du tout. Non, non, il y avait de la place, c'était pas le rush. Non, non, c'est juste que je pense que c'était une meuf bourrée, elle voulait se taper un délire d'aller pisser dans les chiottes des mecs. Je pense que c'est juste ça. Oula. Je dis rien, je l'ai fait. Moi, j'ai une autre question à te poser avant tout. Est-ce que t'étais bourré? C'est ça le truc. Si elle me dit oui, c'est bon, c'est que j'ai compris toute l'histoire. T'es méchante. Moi j'ai fait ça, tu fais une tumeur. Ça c'est... Ah ma foufoui. Salut Nanocry. C'est marrant, Nanocry, ça me fait penser à un autre truc, à Nano Fromage. Merci.
Il y avait pas plus que ça, c'est ça? Ah d'accord, d'accord, ok, ok, ok. Ouais. Donc là on est en train de tester le chapitre bonus de Slender. Ben pour l'instant ça va. À mon avis ça va pas durer. Oula, attends. Mauvaise idée ce que je suis en train de faire d'aller dans la pénombre comme ça. Ça fait penser à quoi? Un âne au fromage. Ah, we got the flashlight. Oh. Oula. Ouais, donc ça y est, l'ambiance a commencé à se casser la tronche là. Salut, Clayofé. Tu m'as follow cette nuit, je crois, un truc comme ça, ou hier, je sais plus. J'ai vu ton pseudo passer récemment dans mon feed. Merci en tout cas de rejoindre. Barman en salle de concert, imagine-toi l'état des chiottes par moment après les soirées techno. Oh, j'avoue. Merci de rejoindre en tout cas, Clayofé. Ah, je l'avais dit ou pas? On le connaît celui-là. Les gars, on le connaît celui-ci. Rassurez-moi, vous le connaissez ce... Ce distributeur, on l'a vu dans au moins 15-20 jeux différents. Ah, on peut pas zoomer avec le... Enfin, on peut pas réduire le faisceau. Hier, la fouifou, elle a tout donné, les copains. Elle a fait son meilleur jeu d'acteur. Oh, bah, j'ai pas mieux qu'elle, hein, vous verrez... Je verrai, je suis pas mieux qu'elle. Hein. Oh là là. Oh mais on vous en dira pas plus jusqu'à ce qu'elle sorte cette vidéo. Mais je vous le dis, je vous le répète, hein. La vidéo en question d'Halloween. Écoute, si ça passe, c'est crédible. Bah, tant mieux. Sinon, bah nous, on aura bien rigolé. Ah ma chérie. Ça sera bien fut sucé par les moustiques aussi, mais. Putain, mais c'est grand là, explorer ce qu'il nous demande d'un coup là, je piche pas bien. Ah ok, c'est bon, on peut pas aller là. Particulier ça. Du sang qui coule d'un tuyau comme ça. Ah, celui-là on le connaît aussi, le cola cola. Yeah. Je sais que c'est marqué cola cola, bah c'est ça, cola cola, le classique. Ok, on peut pas ouvrir ça, je peux l'ouvrir. J'ai l'impression qu'il faut juste trouver son chemin là-dedans, non? Pour l'instant, en tout cas. Ah, oh, dis donc. C'est moi ou il a l'air d'être plus psychologique, ce chapitre bonus? Ce qui n'est vraiment pas pour me déplaire. Ok, c'est fermé. Ah, il y avait une ombre, je l'ai pas vu. Hello Zios. Oh ok, il est clairement psychologique cette... Oh putain, oh, petit frisson là. Ok. Il est pas mal ce chapitre là, j'aime bien moi ce qui se passe. En vrai, moi qui vous saisis, ça va et toi mec? Thiago, merci pour ton prime. Il nous a rejoint tout à l'heure et là bam, il lâche son prime, c'est adorable. Franchement merci, merci à toi. 4 avril. J'ai commencé mes essais cliniques sur un nouveau médicament expérimental, conçu pour soigner les cas graves de dépression et d'anxiété. C'est un traitement révolutionnaire, mais j'ai entendu des rumeurs troublantes à propos de ses effets secondaires. Certains patients affirment voir une grande silhouette sans visage dans les ombres. Ils utilisent exclusivement les mots « lui » ou « il » pour en parler. En tant que scientifique, je me dois de rester objectif et concentré sur les potentiels bienfaits du médicament. Cependant, je reconnais que je suis intrigué par ces témoignages étonnants. Ils ont été voir un film avec un clown, c'est pour ça qu'ils appellent ça « il ». Enfin, oh, ça va, tu m'as compris. Ça va, fais le lien avec la vanne. 4 avril, un jour après mon anniv. Oh.
Vous voulez entendre une blague bien misogyne? Tiens chérie, il y a un balai là. On va faire le ménage. Ouais. Elle tombe. Elle à chaque fois elle tombe dans le délire en mode ah, j'y vais alors. Avec elle, tu peux pas faire ça. Elle est pire que toi en fait. Elle ira plus loin que toi dans la vanne, tu vois. Oula. Monsieur, ça va? Bon, Konachan, salut! Par là? Ok, récupéré. Mesdames, messieurs, c'est avec le cœur lourd que nous vous informons le décès tragique de l'un de nos chers collègues, le docteur James Anderson. Nous pleurons cette perte et vous prions d'éviter toute discussion autour des rumeurs concernant sa mort, afin de respecter la mémoire du docteur Anderson, mais aussi sa famille en cette période difficile. Ça va, Moko, et toi? Moi, je kiffe passer les Swiffer. C'est euphorisant de voir la poussière dégager. Non, mais parce que la poussière, tu l'aspires, Miss Blooded. Mais toi et vous fouillez toi, vous entendriez bien. J'ai l'impression que vous êtes un peu timbrés les deux là. Oui. Miss Blondine et toi. Pourquoi? Ouais. Ouais, 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 électricité statique. Ouais, voilà. Ah non, elle est en train de m'expliquer qu'elle kiffe les trucs Swiffer aussi. Hein. Elle me dit c'est trop bien le truc Swiffer parce que ça aspire avec l'électricité statique. Non mais vous les sniffez les lingettes, vous c'est pas possible hein. Ok, y'a rien d'autre dans cette salle. J'ai l'impression. Bon, y'a rien d'autre hein, dans cette salle de con là. Hé hé, cadeau de con. Joyeux Noël! Franchement, hier il nous a tué avec ça, Eldred. Attends, je me trompe de. Ah! Ah non, c'est de là que je viens, moi. Ouais, ok. I come from this side! Ok, et moi je suis parti fouiller ça, mais d'accord, fallait continuer en fait. Oula, il y a l'ambiance Slender là d'un coup. Ou ambiance Phasmophobia aussi. D'ailleurs, ce bruit, ce brouhaha là, il n'aurait pas été instauré par Paranormal Activity. C'est vrai qu'avant Paranormal Activity, ce brouhaha, on l'a déjà entendu dans des films ou dans des jeux d'horreur. J'avoue que j'ai pas forcément d'éléments qui me rappellent ça. Ouais, le bruit sourd, ouais. J'ai juste dit. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même Paranormal Activity qui, pas qui l'aurait instauré, mais je sais pas, qui aurait répandu ce truc. Et pour le coup, c'est efficace. Ah, moi je kiffe. Hein. Paranormal, je kiffe. Alien, le 8ème passager. Il y a déjà son dedans? Je suis en train de chercher où je dois aller, hein, les copains. Un truc du genre, d'accord, ok. Écoutez, je sais pas ce que je dois faire en particulier, hein, donc pour l'instant, je fouille la zone, moi. Faut juste sortir.
Non, tu veux pas t'ouvrir? D'accord. Ouais, l'ambiance elle est bien. L'ambiance me plaît beaucoup. Attends, t'es en train d'expliquer que j'ai refermé la grille grâce à mes fesses? Donc j'ai les fesses qui peuvent aspirer. En fait, j'ai... mon trou du cul, c'est un aspirateur, c'est un aspiracul. Ou un cuspirateur, mais. Un d'aspi caca. Ça ferait un vachement bon nom de Pokémon, je trouve. C'est l'électricité statique. Ça a attiré le riff. Oh, forcément. Il avance de moins en moins là. Faut sprinter peut-être. Ça doit être ça. Wow. Wow. Il est sympa ce chapitre, hein. J'aime bien moi. Franchement. Vous savez qu'il allait avoir un truc qui allait faire tic 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 dans le codi. Très belle imitation en tout cas. Je te con. Ici, comme je joue à Callisto, je pense à toi quand tu entendais passer... quand tu entendais passer une journée humide avec la machine pour améliorer les arbres. Je me rappelle même plus, c'est... comment c'était ce truc. Je me rappelle plus, je t'avoue, petit dragon. C'est vrai que Callisto Protocol était sympa, mais j'ai l'impression que ce jeu m'a pas du tout marqué, quoi, dans ma vie de gamer. Ce qui me paraît bizarre, d'ailleurs. J'aimais bien le souvenir, mais... Ok, on va chercher la clé. La clé! I got the key! Jaco. Ah, ok, il y a un poisson qui fait ma peur. Derrière toi, DJ Slam the Girl. Attends, c'est un cul-sac. Un vrai de vrai. Un officiel en 2023. Non. Ça me stresse, ça. Par contre, j'aime pas du tout. C'est bon, y a plus de poisson. C'est bon, y a plus le poisson dans l'eau, ça va. Shiny, ça se trouve, ah, c'était un Pokémon. Vous voulez que je vous le capture? Magikarp, Magikarp. Mais non, c'était une loutre. Non, c'était une poutre.
Non, l'ambiance. Oula, 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 oula. C'est horrible ça par contre. C'est vraiment flippant ça. Attends, salut James. Alors ils sont pas refait le jeu, James. Ils ont upgrade le Slender The Arrival. Ils l'ont upgrade sur l'Unreal Engine 5 et ils ont rajouté un chapitre bonus du coup. Et c'est ce qu'on est en train de découvrir là. Et il est coolos en vrai ce chapitre. Ouais, il est bien le chapitre, hein, Darkinesu. Ouais, franchement, moi je kiffe. Bon, c'est peut-être pas le cas forcément de tout le monde, mais moi perso, j'aime beaucoup ce chapitre. À l'attention du personnel, veuillez vous abstenir de fumer sur le toit. Notre principale arrivée d'air direct s'y trouve, et les visiteurs se sont plaints de la fumée dans l'atrium. De plus, le service juridique vient de parvenir à un accord à l'amiable avec une plaignante affirmant qu'un mégot de cigarette tombé du toit aurait mis le feu à sa perruque. Pardon. Pardon. Ok. Dans le cas où d'autres problèmes surviendraient, nous prendrons des mesures appropriées contre les récidives. Ah, parce que j'imagine le mec qui jette son mégot à l'autre. Wouhou ! J'ai les cheveux en feu ! Oh bah tiens. Oh bah tiens, rebelote des conduits, ouais. Bon, ils doivent pas être bien devant ceux-là. Ah, grave cool ça, James. Franchement, faut que toi plaise, hein. Ouais, quand j'ai vu la mise à jour, j'ai pas hésité une seule seconde, je l'ai pris direct. Il va y avoir encore une alarme. Oula, attends. D'ailleurs, je sais pas s'il y a des gens qui font des clips, hein. Y a pas eu beaucoup de clips ces derniers temps, c'est dommage. C'est pas pratique du coup pour les shorts et tout. N'hésitez pas à faire des clips les copains, quand il y a des trucs qui vous font marrer, qui vous font peur, marrer. Chaque situation est un potentiel clip. Non ! Quoi ? C'est intense quand même, hein. Putain, c'est intense, bordel. Purify. Ça me fait penser à une zig de Slipknot. Bon, c'est pas Purify, c'est Purity. You won't stare that you'll never see. Something beside me. You won't stare that you'll never see. But something in me has to explode. Ok. C'est... sauve ton fils. En fait, attends. C'était marqué trouve la pureté, trouve ton fils. Enfin, sauve ton fils. Ah bon? Nettoie-le par le feu, c'est ça? Je touche plus rien là. Non mais déjà un, c'est dur à gérer alors plein, c'est clair. Ah, c'est plutôt guéri alors, ok. Ah, clean, c'est purification. Ah, purifié par le feu alors, ok. Ah.
Et bien, surtout que juste avant, c'était marqué Purify. Et ils te disent, après, ils changent de mot pour dire purifier. Salut Damnation. Et nous avons donc officiellement terminé le chapitre bonus de Slender Lucator. Est-ce que t'es dans le coin? Et si oui, est-ce que tu sais comment on peut éventuellement faire le petit niveau bonus? Savoir si on le fait de suite, apparemment ce sera au début du chapitre. Tu sais le faire? Allez, bah, attendez, il y a encore un potentiel truc à tester. Pour commencer, tu vas devoir faire une série d'actions dans un ordre précis avant de provoquer le niveau secret. Tu dois faire aucune autre action en dehors. Ok, ok, ok. On va suivre ça. J'ai envie de voir la gueule du niveau bonus, moi. Comme ça, on pourra pas dire le contraire. On aura tout plié sur le jeu. On aura tout fait. Alors, un courir vers la maison en coupant par la forêt. D'accord. Ok, donc je le fais. Le niveau des vaches. Après, coupé par la forêt, je suis limité, il y a une barrière hein, dans tous les cas. Donc je pourrais pas aller au-delà de la barrière. Ah bon, on y est là. Non. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Faut que je m'arrête où, du coup? Parce qu'il y a un petit peu de chemin, attendez. Je vais attendre que mon perso, il récupère... Ah, suit la barrière, ok. Et là, du coup, la pierre. Ok, deux. Allez, sur la balançoire. Hein. Akira, merci pour le follow, bienvenue à toi. Bienvenue, Sol, bienvenue. Jusqu'à ce que le message I remember playing on this swing set... Ok. En gros, faut aller vers le jeu d'enfant. Et ensuite aller vers les jeux du coup et attendre qu'il y ait un message qui apparaisse. Disant qu'il se rappelle avoir joué à ça. Ok, on l'a, c'est bon. Je me rappelle avoir joué à ça hein, avec Cake quand nous étions enfants. Bon, aller au piano et l'utiliser jusqu'à ce que le message descende familière apparaisse. Oh, le piano est dans la maison, je sais plus du tout où il est. Il est là. Non, il doit être par là, non? Là. Re-sec! On est en train de tester le niveau bonus. Attends, faut qu'il y ait un message qui apparaisse, hein. Ok, donc je pense qu'il faut le spammer. Putain, putain! T'es en train de s'enchaîner, ça y est! Cet air m'est familier. Ok, et ensuite donc le 4 c'est activer la radio dans la salle de bain. Ah ouais, faut le savoir tout ça quand même hein. Putain, faut le deviner ça. Salle de bain. Attends, je vois rien. Ah, en bas. Ah mais non, ok, non, c'est plutôt ici. C'est pas une salle de bain du coup. Ok, donc ça faut l'activer. Récupérer la lampe torche. Où est-ce qu'elle est? Dans la cuisine je crois, non? Merde, je me rappelle plus où elle est. Elle doit être sur une table ou un truc. Là. Voilà, ok. Sortir de la maison et partir sur l'avis de recherche de Charlie. Et profite. Ok. Ces sons en fond là? Vous avez ce souvenir-là, la première run? Ou est-ce que c'est une façon d'expliquer qu'on a fait tout le truc? Oh! Oh! Je suis hypé! Oh, je suis hypé! Merci, Lucator! T'es un tueur, mec! Bravo, en tout cas!
Bonjour, ECM, The ECM 2. What? Je suis perdu, peux-tu me trouver? Oh putain, des gifts! Merci à toi, Kaiser, pour le sub que tu as offert à Lou 14, justement. Merci beaucoup. Le jeu casse le quatrième mur. J'aime beaucoup quand les jeux font ça. Waouh! What? Ah, ils veulent vraiment me rappeler. Ok, ça m'a amené à l'étage. Bon, elle est à la chambre, non? Est-ce que tu peux le voir? Oh, l'ambiance, elle me met en PLS. Oh putain! Et... Je suis enfermé dans la... Oh! Oh! Je t'aime bien, jouons un jeu. Oh là là! Il se passe quoi là? Oh, c'est trop bien! Mec, c'est trop bien ce qui se passe là! Comment c'est? Vous allez peut-être faire choix de... à mon tour de te trouver. Hein? Quoi? Non? Non? C'est non, monsieur. Quoi là? Je suis en PLS, mec. Ah, je sais pas si je vais. Ah. Sac là, j'avoue que j'y étais déjà, mais j'ai ouais non mais ok. Oh, je suis pas bien là depuis tout à l'heure. Je te jure que ça me met en PLS. Je suis pas sûr de ce que je dois faire. Là, t'es titan del sol. Merci beaucoup pour le soutien. Check. Merci, merci à toi. Angoissant de dingue. Salut, Yudi. Je me suis fait eu. Te voilà. J'ai même pas vu si quelque chose m'avait vraiment touché ou quoi, in-game. What? Je peux plus bouger? Je peux plus bouger, je suis en train de prendre feu. D'accord, et après? Oh!
Oh. Oh là 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 là! Vous avez péri? Salut Gameitalik, le jeu a vachement changé, mais c'est un niveau bonus ça! C'est un niveau complètement caché apparemment! What? Y'a plus rien! Y'a même plus d'options, regarde, je peux soit quitter, soit commencer! C'est trop bien ce qui est en train de se passer, c'est trop bien. Franchement, Louis XIV, merci d'avoir trouvé la démarche. Comment aller là-dessus, parce que franchement, je suis en train de me régaler là. What? Ok. On a la même ? Ça fait penser à Amscared. Ouais, ce qui est en train de se passer peut complètement faire penser à Amscared. Un des meilleurs jeux d'horreur existants, selon moi. Non mais attends. Attends, c'est quoi le truc là ? C'est quoi le truc là qui nous disent pas ? Attends, attends, attends. Il doit y avoir un truc à faire, je pense. Tu penses? Je n'en peux plus, regarde. J'avais pas vu, regardez le menu. Non, j'insiste. Non, c'est encore pareil. Oh. Oh, c'est bon ça. Insiste bio, DJ. Bah, j'essaye, ça fait 3 fois que j'essaye. C'est cool, genre, c'est comme si on était dans sa tête. Ouais, c'est ça. Ou alors, c'est comme si lui était entré dans notre réalité, quoi. J'en peux plus. Bonjour. J'essaye encore. On tente 2 fois de plus. On tente 2 fois de plus pour être sûr. Encore plus vite. Mais non. Non, mais à mon avis, attends, je sais pas s'il y a. Depuis quand il a un visage et des cheveux? Il avait des cheveux? Salut, Corey. Non, c'est normal ce qui se passe. C'est complètement normal ce qui est en train de se passer. C'est un truc bonus. Et en fait, ce niveau bonus brise le quatrième mur. Et t'as l'impression que le jeu s'adresse au joueur directement, en fait. Une dernière. On retente une dernière pour voir s'il n'y a pas un truc au bout de 5 fois, quoi. Allez, je suis persuadé qu'il se passe un truc. Là, hein, c'est la même, hein. C'est la même à chaque fois, hein. Ok. Bon, on va cliquer sur « Je n'en peux plus » pour voir. Alors, s'il s'adresse au joueur, tu prends les problèmes, DJ. Je gère, t'inquiète, je gère. Tu peux rien faire ? Non. Continue. Vous feriez quoi ? Vous continueriez de cliquer sur « Commencer » ? Une dernière fois. Je le fais une dernière fois. Plus t'insistes et plus ça finit vite. T'es sûr? Oh, j'ai un doute là-dessus par contre. T'avoue que j'ai pas l'impression que ce soit plus long ou plus court. Non, pour moi c'est pareil, hein. Pour moi c'est pareil le délai. Oui, ça va de plus en plus. Vous êtes sûr de vous? Ah si, c'est plus court. Vous êtes sûr? Bon, je leur fais une dernière alors. J'ai l'impression. Vous êtes sûr que c'est pas plus psychologique? Je vous fais confiance après, mais ça me donne. Perso, ça me donne pas cette impression, moi. Le timer en haut à droite affichait 6. Bah là, il vient d'afficher 6 aussi, hein. Non, pour moi, c'est la même là, non?
La jauge se remplit de petit à petit, tu te fous de moi. Central recommence deux fois. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que là, on est en train de tenter le truc ensemble avec la chaîne. Vous voyez, sur YouTube, venez nous rejoindre. Non, mais même la batterie, elle change pas pour moi. Non, mec, c'est tout pareil. Encore 3, 6 boss. Non, pour moi, c'est tout pareil, les gars. La batterie bouge pas, le timer bouge pas. Non. Bon, écoutez, on va tenter. Après avoir insisté comme des zinzins, là. Attends, je vérifie qu'il n'y ait pas une connerie. Ok, c'est bon. On va cliquer sur... Non, c'est plus court, j'ai l'impression. Oh oui, encore DJ, 53 secondes de meilleur. Lucator, toi qui connais. Je dois faire quoi? Je dois insister ou je peux me barrer, là? Je n'en peux plus. Toi qui connais. Moi, pour moi, c'est inutile d'insister, là. Je vois aucune différence. Ouais, ok, je n'en peux plus. Ok, j'ai cliqué sur « je n'en peux plus ». Ça ne quitte pas le jeu, vous remarquerez, mais ça charge. Yo, 69e face. Ah, c'est tout ? Alors, attends, c'est tout. C'est déjà beaucoup ? Mais attends. Du coup, qu'est-ce qu'on doit en déduire de ça ? Concrètement, c'est qu'en fait, Slender, c'est qui ? Ça veut dire que c'est le gamin qui est recherché sur la fiche... Dans la forêt ? Non. Non, ça n'a rien à voir avec ça, non ? Ou il est peut-être étroitement lié à ça ? La bande son du menu commence à me mettre mal à chaque fois, j'avoue. Bon, dans tous les cas, je pense que c'est peut-être plus poussé que ça. Faudrait aller regarder un petit peu... Slender possède le gamin de ce que j'ai compris, ouais. Le gamin s'est fait enlever. Ouais, après Slender, il enlève les gamins, lui. Ouais, vu que c'est nous qui brûlions, effectivement, comme le dit Danin, c'était nous le gamin, déjà. Dans la légende, de base, Slender possède des gamins. Ok. Ok. Dans le niveau secret, tu deviens un proxy... Tout comme Charlie. Ok. Bah écoutez, merci pour les infos. Merci d'avoir suivi ce L-Tape sur Slender The Arrival, la version, la toute nouvelle version. Et en plus de ça, on vous a servi le niveau bonus grâce à Lucator, merci beaucoup. Et le niveau supplémentaire qui a été rajouté en plus de l'intégralité du jeu. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très bientôt sur L-Tapes.